Quand je passe triste et noir, y a de quoi rire. Faut voir rentrer les boutiquiers, les yeux durs, la gueule en tirelire, dans leur comptoir comme des banquiers. J'ai l'air Luc, c'est irrésistible. Ils se cavalent, ils ont peur de moi, peur que je leur chope leur comestible. Peur pour leur femme, pour je ne sais quoi. Leur conscience dit, tu te soignes les tripes. Tu te les bourres à t'en étouffer. Ben, n'en voilà un qui a pas bouffé. Alors, dameuse, ils me prennent en grippe. Y a pas. Mon spectre les embarrasse. Ça leur y donne comme des remords. Des fois, se plaque ma fiole à leur glace. Et ils deviennent livides comme des morts. Du coup, malgré leur chair de poule, ils jettent sur la porte en hurlant. Faut voir comme ils ameutent la foule. Pendant que Bibi fout son camp. Avez-vous vu ce misérable, cet individu équivoque, ce pouilleux, ce voleur en loques, qui nous regardait manger à table? Ma parole, on n'est plus chez soi, on ne peut plus digérer tranquille. Nous payons l'impôt, il y a des lois. Qu'est-ce qu'ils font donc les sergents de ville? Je suis loin. Que je les entends encore. Le vent d'hiver m'apporte leurs cris aigres. Ils piaillent comme à Noël des porcs, comme un chien, comme des chiens gras sur un chien maigre. Pendant ce temps-là, moi, je vis en silence, car j'aime pas la publicité. Ouh, je connais leur état de santé. Ils me feraient foutre au clou, par prudence. Comme ça, au moins, j'ai le bénéfice de me répéter en liberté deux mots lus. Sur les édifices, égalité, fraternité. Souvent, j'ai pas d'autre nourriture. C'est le pain de l'esprit, disait Gourmet. Bah, l'homme est un muf par nature, et la nature changera jamais. Car il y a des prophètes, des penseurs, qui ont cherché à changer l'homme. Ben, quoi donc ils ont fait en somme? De ce kilo de fer qui nomme son cœur, rien de rien. Même en tapant dessus ou en le prenant par la tendresse, comme l'a fait notre Seigneur Jésus qui s'est vraiment trompé d'adresse. Aussi, quand on a lu l'histoire de ce qu'a voulu améliorer le genre humain, on les traite de poires. On voudrait bien les exécrer. On réfléchit, on a envie de beugler tout seul, miséréré. Puis on se dit, ben quoi, c'est la vie. Y a rien à faire. Y a qu'à pleurer.